joli papillon. Tu veux voler avec moi? Tu viens, on te ramène à la maison. Oh, tu as de très belles couleurs, petit papillon. Laquelle tu préfères sur moi? Celle-là ou celle-là? On va y passer la nuit. Ce qu'il nous faut, c'est mon yo-yo rapido. Hey, où est passé le papillon? Je te tiens. Quoi? Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort? Laisse-le sortir, il est triste dans sa boîte. Mais c'est le meilleur moyen de le ramener chez lui. Et il y en a d'autres à attraper. Regardez. Oh. D'accord, mais avec eux, on essaye la manière douce. Tu me suis? C'est par ici. Ouais, venez. Vous préférez rouge, vert, bleu ou couleur de l'arc-en-ciel? Yo-yo rapido! Je suis trop fort pour les attraper. Wow! Yo-yo, vas-y gentiment. Tu fais du mal à ces pauvres papillons. Mais je fais ça pour les aider. La question, c'est de savoir où Sorceline cache les autres. Et là-haut, il y a ces papis nuits. C'est ça, volez et partez. De toute façon, je n'ai plus besoin de vous. Allez, les pyjamasques, à l'attaque! Misérable papillon, il est temps d'essayer ceux qui vont vous remplacer, les papillons. Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'irez nulle part, joli papillon. Pas si vite, Sorceline! Les pyjamasques sont là pour les libérer et les rendre aux eaux. Bon, d'accord, les papillons. Mais c'est votre dernière chance. Débarrassez-moi de ces pyjaminus! Papillons ont l'air bien occupés. Maintenant qu'on est un contre un, je parie que tu ne peux pas... Ça y est, le spectacle peut commencer. Reviens ici tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vite, viens, on va aider Yo-Yo. Yo-Yo, acrobation. Et voilà comment on met toute une bande de super-géros au tapis. Yo-Yo, ça ne sert à rien de t'énerver. Oui, regarde, fais comme Maître Fong et reste calme. Arrêtez de me dire de rester calme. Je me mets en colère si je veux. Occupez-vous des ninjas zouaves pendant que je récupère l'épée. Ninjaka. Quoi? Je reviens pas que Yo-Yo s'énerve contre nous. Moi non plus. Hé hey. Wow. Tu n'arriveras jamais à la cheville de Maître Fong. Oh, vraiment? Est-ce que Maître Fong sait faire? Oh non. Aide-nous! Yo-Yo, au secours! Hi-ya! Oh non! Oh! Efface cet enregistrement immédiatement! Ne valez pas que c'est mon épée! Ninja Zouaf, débarrassez-vous de ces deux pigeons sous chirol! Yo-Yo, allez! Bibou! Blu-blu! Suivez-moi, on change de décor. Je ne peux pas essayer d'attraper Ninjaka et sauver Bibou et Glouglou en même temps. Il m'a piégé. Bibou avait raison. Ça ne sert à rien de s'énerver. Et encore moins de m'énerver après les gluglus comme j'ai fait. C'est l'heure d'être un vrai héros et de garder la tête froide comme Maître Fang. Ben voilà, ça c'est joli, avec la lune dessus. Vous auriez dû commencer par là, papy nul. Une fois que cette statue sera chez moi, je veux que vous vous débarrassiez de tout le bazar que vous m'avez apporté. Vous avez entendu? Elle est prête à rendre les autres objets si elle garde le hibou du partage. Cool, caméléon, c'est parfait. Tu devais la donner à quelqu'un de toute façon. Oui, parce que ça fait encore plus plaisir d'offrir que de recevoir. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Haha, c'est le trophée idéal pour mon nouveau repère lunaire. Cette statue est magnifique. Elle est extraordinaire. Elle est à moi. Quoi? Vraiment pas partageur, ce hibou du partage. Pour la peine, je vais garder tous les objets que j'ai déjà volés. Et je vais en prendre plein d'autres. Vous allez voir.
Sorceline. Oui, t'inquiète pas, je m'en charge. Partout où Sorceline ira, les pyjamas aussi seront là. La voilà. On dirait qu'elle va entrer dans le musée. Les pyjamas, on y va. Objets. Ils arrivent pas à la cheville de la statue de la Lune. Continue à chercher, Papy Nuit. Ce serait pas plus simple que tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'on n'en parle plus? Non, la statue du hibou est à moi et c'est tout. Bon, d'accord. Alors on passe au plan B. Yo-yo, rapido! Allez, on s'active, les Papy Nuit. On n'a pas tout ça, hein? Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je viens de bloquer toutes les issues, Sorceline. Tu ne peux plus t'échapper. C'est ça, dans vos rêves. Elle va le réveiller. Faut l'arrêter. Ça va pas de jeter les marionnettes par terre. Elles sont trop jolies pour être abîmées. Allez les petites marionnettes, dansez un peu et saluez mes amis. T'approche pas, Sorceline. Faut jamais réveiller un somnambule. Qu'est-ce que t'en sais que je vais le réveiller? Moi, ce que je sais, c'est que je vais jouer avec lui. Viens avec Sorceline, petite marionnette. Non. Poussez-vous de là. Glu-glu, pousse tes marionnettes et viens nous aider. J'arrive tout de suite, les amis. Par ici, petite marionnette, il faut que je vous laisse. Mes copains ont besoin de moi. Maintenant, il est à moi. Bibou, aile de la nuit. Yo-yo, bien là. Attendez-moi tranquillement, je reviens. C'est bon, j'arrive. Vous avez vu? On dirait un vieux dinosaure qui ne sait même pas marcher. Un dinosaure qui ronfle. Je vais l'appeler... Ronflosaure. Sœur Céline se débrouille plutôt bien avec sa nouvelle marionnette. Glu-glu, il faut absolument qu'on récupère l'aimant lune de Sœur Céline, mais sans réveiller Cameron. Elle n'aurait pas mis la main sur lui si tu n'avais pas passé ton temps à jouer à la marionnette. T'es avec nous? Oui, bien sûr. Désolée. Ok, prêt les pyjamasques. Bibou Tornado. Attention à ta tête, Sorceline. Lâchez-moi les Papy Nuit. Mon aimant lune. Rendez-le-moi. Hé, Cameron, il est temps de retourner au lit. Mais comment il marche, ce truc? Glu-glu, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre Cameron à l'abri. Regardez ça. Je suis un ronflosaure. Je retourne dans mon lit. Par ici. Oups. Désolée. Par ici. Arrête de jouer au pantin. C'est bon, je gère. Je m'occupe de Cameron et des marionnettes. Laisse-moi tranquille. Je vais lâcher. Là, tu m'échapperas pas. Tu crois franchement que ton pauvre lézard à roulettes pourra arrêter mon super ninja bus maintenant qu'il est terminé? Moi. Le ninja bus a vraiment l'air super costaud. C'est peut-être vrai que je ne fais pas le poids. On va te sauver, Glu-glu. Toujours les coudes. En fait, c'est ça que vous faisiez pour moi? Oui. Alors c'est à mon tour de faire ça pour vous. C'est l'heure d'être un vrai héros. Reptilomobile, fais-lui une queue de poisson. Oh, ma reptilomobile.
si tu me voles mon ninja bus, faut pas t'étonner que je prenne ta reptilomobile à la place. Je vais la repeindre en mode ninja tout en noir avec plein d'étoiles. Yo-yo, Bibou, j'ai besoin de vous. J'arrive tout de suite, Glu-Glu. Na 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 na. Moi. Enfin libre. Hé, hey, Ninjaka, trois pyjamas qui se serrent les coudes valent mieux que toutes tes ninjas ouvrines. Hein? Il est parti où? Yo-yo, un gros bâton. Aïe! Écoute, collante! Glu-glu, Bibou, je suis coincée. Je t'ai posé une colle, le sac à puce. Ninjaka, relâche-le immédiatement. Ninja Zouave, à vous. Puisque mon espion ne veut pas m'aider à infiltrer votre repère, je vais utiliser les bonnes vieilles méthodes. Tenez-les bien, Ninja Zouave. Ah, comment je vais faire? Ninjaka va utiliser notre QG contre nous. Hein? T'es en train de m'aider? Merci, Mini Ninja Zouave. J'aurais dû t'apporter mon aide quand t'en avais besoin. On devrait toujours aider ceux qui ont des problèmes. Désolée. C'est l'heure d'être un vrai héros! Maintenant, si vous voulez que je vous libère, dites-moi quel est le secret pour entrer dans votre repère. Quoi? Jamais! Hein? Quoi? Tu t'es libéré? Oui, Ninjaka, et il est hors de question que tu mettes un seul pied dans notre QG, ou tu auras affaire à moi. Ah, oh, c'est pas vrai! Comme ça, c'est toi qui as aidé cette boule de poil à s'échapper, hein? Ah! Yo-yo, un gros bâton! C'est toi, le chat! Oh, quel bon à rien, ces ninjas Zouaves! Je vais m'occuper de ces super zéros tout seul! Étoile collante! Étoile collante! Étoile collante! Attention! Oh, mais arrête de l'aider, mini ninja Zouave! De me laisser piloter l'astro-hibou. Et je n'aurais pas dû accepter les cadeaux que vous m'avez offerts tous les deux. J'ai eu tort de vous laisser vous battre pour le billet, je m'excuse. C'est nous qui t'avons obligé à choisir entre nous deux. Désolée, Bibou. Moi aussi, je ne veux pas aller au concert si t'y vas pas. C'est pas grave. Le plus important maintenant pour nous, c'est de récupérer ce micro. C'est l'heure d'être un vrai héros. Cassé ou pas, ce micro n'est pas à toi, sœur Céline, alors rends-le-nous. Et plus vite que ça. Cassé, mais il est toujours doré et brillant. Et à moi, à moi, à moi. Bibou, Glu-Glu et moi, on s'occupe des papy nuit. Et toi, tu ne quittes pas Sorceline d'une semaine. Par ici, les papy nuit. Je parie que vous n'arriverez pas à m'attraper. Glu-Glu reptile au camouflage. À mon tour. Yo-yo, rapido. Bibou, attrape le micro maintenant! Bibou, tornado! Attention, sœur Céline, ça va décoiffer! Ah, écartez-vous de mon chemin, bande de maudits papy nuit! Mais... Bah, Glu-Glu! Je sais, et c'est pire pour moi! Tu peux pas rester comme ça! Va te laver avec le jet d'eau de la reptilomobile! Pourquoi tu nous dis pas où elle est? Tu es vraiment sûre que tu ne l'as pas perdue, au moins? Non, je sais où elle est, mais en fait... Eh ben...
sais comment on peut arrêter Roméo. Maintenant, c'est à son tour d'aller se faire cuire un œuf. Un énorme œuf de dinosaure. C'est le plus gros œuf que je n'ai jamais vu. Mon pourritator pourrait rendre cet œuf super méga puant. Glu-glu, stop! Tu peux pas jeter cet œuf. Je ne vais pas le lancer. Juste faire comme si pour faire peur à Roméo. Par ici, lézard gluant. Parfait. Hein? Ça pue! Quoi? De tous les temps, personne ne supportera son odeur et je serai le maître du monde. Par mes écailles, il va détruire une pièce du musée. J'ai pris cet œuf parce que j'ai paniqué et j'ai paniqué parce que je ne voulais pas vous dire la vérité. C'est l'heure d'être un vrai héros. Oui, j'ai perdu la reptilomobile et j'ai besoin que vous m'aidiez à la retrouver. Pourquoi tu nous l'as pas dit avant? Parce que vous dites que je perds tout le temps mes affaires. Glu-glu, on est désolé. On sait que tu perds pas tout le temps tes affaires. On plaisantait parce que tu as perdu 2-3 trucs ce matin. Et maintenant qu'on sait que tu l'as perdu, on peut commencer à chercher. Mais je me demande comment on va trouver un véhicule invisible. Facile. Glu-glu reptilo camouflage. Si vous voyez un œuf qui flotte dans les airs, ça veut dire qu'il est collé à quelque chose d'invisible. Et devinez qui a bombardé la reptilomobile. Roméo. Compris. À la chasse à l'œuf flottant. Comme ça, j'aurais jamais pu le faire. T'es génial. Merci. Je crois que j'ai fait le malin en disant que je savais voler. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, Yo-Yo. Aéroline! Oh, mon Aéroline chérie, trop content de te retrouver. C'est l'heure d'être un vrai héros. C'est toi qui sais voler. On a besoin de ça pour arrêter ce ballon et sauver Glu-Glu. Merci. Mais si on le faisait ensemble... Yo-Yo, rapide! Aide la vie! Oui, je sais,
C'est bon, je rentre. Très bien. De notre côté, on va à l'école. Préviens-nous si tu vois quelque chose. Un papy nuit, ça veut dire que Sorceline n'est pas loin. Il est juste devant la porte. Je devrais prévenir les autres. Mais si je suis le papy nuit, je peux peut-être découvrir ce qu'il manigance. Oui, voilà une bien meilleure idée. Je ne dois surtout pas le perdre de vue. Il va m'amener directement à Sorceline. Tu ne m'échapperas pas, papy nuit. Attention. De ce que voulait faire Roméo. Personne ne touche à ma lune. Attaque aveuglante. On est encerclé, je ne vois plus rien. Sors-nous de ce piège, Gluglu. Mille reptiles. J'arrive pas à les semer. Il n'y a plus aucune chance de récupérer le télescope. Entre le laser spatial, le robot, Roméo, Sorceline et ses papy nuits, on est débordés. Ça fait trop. On ne peut pas abandonner. On réussira à arrêter Roméo seulement si on prend un problème à la fois. Et la première étape, c'est de se débarrasser de ses papy nuits. Mais comment? Tu devras peut-être conduire, Yo-Yo. Tu en es sûr, Gluglu? Certain, parce que moi, je ne vois pas comment nous tirer de là. Ok, Gluglu, je prends le volant. Et moi, je m'occupe de chasser les papy nuits. À moi de jouer. Bibou Tornado! Attention, Yo-Yo! Wow! On a failli percuter notre QG! Je suis désolée, tout ça, c'est de ma faute. Si je ne m'étais pas laissée déborder par l'idée de gérer tout ça à la fois, j'aurais pu vous aider. Mais tu vas nous aider. Il faut que tu te dises que tu arriveras toujours à résoudre un problème si tu le fais petit à petit. Et notre gros problème, c'est Roméo. Hein? Compris. Et j'ai une idée. C'est l'heure d'être un vrai héros. Même quand on veut s'échapper, on est maladroit. Quoi? Non, va-t'en de là, le chabidule. Que toi aussi tu es maladroit comme tout le monde. Il va falloir que tu répares toutes les maladresses. Hors de question. Tant pis si je souffre de glissade à gogo, de zigzag, de zinzin et qu'à présent j'ai deux mains gauches. Jamais je ne détruirai mon magnifique laser à maladresse. Ah, tant qu'il faut détruire le rayon laser pour inverser ses effets. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Trop tard. T'as vendu la mèche maintenant, Roméo. Vous êtes trop maladroit. Regardez-moi m'échapper en beauté. Par ici. Sur la bande. Oh, mais comment on va l'arrêter dans notre état? Je sais comment. Quand on essayait de ne pas être maladroit, on l'était encore plus. On a même accidenté le chabolide. Oui. Donc il faut qu'on se serve de nos maladresses. De main gauche, zigzag de zinzin et glissade à gogo. Comme des pouvoirs de maladresse. Cool, caméléon. Wow. Mais le labo de Roméo va dans tous les sens. Il va falloir qu'on se coordonne un minimum. Il arrive. Prêt et... partez! Le glisse super magot! Yo-yo glissade à gogo! Pouvoir du zigzag de zinzin! Le glisse super magot! Ouya! L'idée, c'est que
vous restiez tous les deux ici à admirer Judocador en action, d'accord? Quoi? Pas question! Elle a raison! C'est Maître Fang qui va régler les soucis! Et si on les réglait tous les deux, comme dans l'épisode d'hier soir? Ou alors, vu que je suis Zoé Zap, je peux... Attendre ici! Excellente idée! On y va! Aïe! Rends-toi, robot! Soit tu remets les jeux que tu as pris à leur place au parc, soit tu vas avoir affaire à Maître Fang et son célèbre coup du dragon! Et à Judocador et sa fameuse tornade du tonnerre! Négatif! Hein? Tu l'auras voulu! Oh! Est-ce que ça va? Tout va bien! Maître Fang et Judocador sont hyper résistants! Même si normalement ils ne se rentrent pas dedans! Allez les garçons, il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour l'arrêter! On disait que j'étais Zoé Zap! Désolée, mais ça va pas avec l'univers de Maître Fang! T'as qu'à faire youpi, son fidèle compagnon! T'aboies quand il y a du danger! Ouf! Ouf! Mais j'ai pas envie d'aboyer comme un chien! Hein? Revoilà les pigeonouilles! Je vais vous montrer comment on s'y prend! T'as fini de faire n'importe quoi! Tu vas m'écouter et obéir! Il détourne l'attention du robot! C'est le moment ou jamais! T'as raison! Prêt, Judocador? Évidemment! Je peux utiliser mon yo-yo rapido pour lui faire le coup de la grue à la vitesse de l'éclair! Mais je me servirai de mes méga muscles pour lui décrocher une droite du destin! Mais, et moi alors? Désolée, mais Youpi ne connaît pas de prise d'arts martiaux! Allez, on y va! Puisque je vous dis que je ne suis pas Youpi, mais je serai Zoé Zap! Grrr, je veux que tu m'obéisses! Négatif! Non, mais tu te fiches de moi, là! Hé, robot! C'est ta dernière chance de nous rendre les jeux que tu as pris au parc! Je ne vous laisserai jamais prendre mon robe-ami! C'est mon nouveau meilleur copain! Robot, tu es cerné! Viens affronter Judocador et Maître Fang si t'es un homme! Ou même si t'es un robot pour le coup! Et ne m'oubliez pas! C'est Zoé Zap! Et sa toute nouvelle technique! La balayette volante de Zoé Zap! Je dois prévenir Yo-Yo et Glu-Glu. Non, Piu-Piu, toi reste ici et mange. Je reviens très vite. Je viens de repérer Sorceline sur l'écran Hibou Vision là-haut. Elle est ici. Très bien, allons-y, on y va. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est un bol de nourriture pour Piu-Piu. Elle avait l'air vraiment affamée tout à l'heure. Tu devrais peut-être lui apporter. Oui, je vais le faire, mais là tout de suite, il faut régler le problème Sorceline. Elle a carrément oublié de te nourrir, ça c'est pas gentil. Bien, allez, vas-y. Fais bien comme je t'ai appris. Pendant ce temps, je fais diversion pour que les super zéros quittent leur QG. Essayez de m'attraper, les pyjamas! QG. Il est simplement transformé en aimant lunaire géant. Avec le champ magnétique, toutes les portes sont fermées. Et bientôt, il va attirer la ville entière grâce à une petite tourterelle. Et tout sera à moi. Quoi? C'est Piu-Piu qui t'a aidé à faire tout ça? Non, c'est impossible. Eh bien si, Bibou, cervelle d'oiseau. Tu t'es tellement mal occupé d'elle que je l'ai vite convaincue de mettre mes cristaux lunaires dans votre QG. Et maintenant que votre repère est à moi, tu peux reprendre ton pied. Je ne comprends pas. Pourquoi Piu-Piu me laisse tomber pour Sorceline? C'est peut-être parce que tu n'as pas assez pris soin de ton oiseau. Alors tout est de ma faute. Si je l'avais dressée et nourrie, si j'avais fait plus attention à elle, rien de tout ça ne serait arrivé. Oh, Piu-Piu, si jamais tu m'entends, je suis vraiment désolée. Un animal, ça ne sert pas qu'à s'amuser. J'aurais dû mieux m'occuper de toi. Mais je vais tout arranger. Oui, c'est l'heure d'être un vrai héros. Alors j'ai bien l'intention de... Regardez là-haut. Piu-Piu. Ça suffit, Ninjaka! Descends de ton perchoir! Oh, je suis vraiment désolée, vous avez dit quelque chose peut-être? Ma citadelle est tellement bruyante que je n'ai rien entendu. Ce système de défense sonore est hyper puissant! On devrait lui prendre pour notre QG! Pourquoi? On n'a pas besoin de ça! Notre base a tout ce qu'il faut pour arrêter Ninjaka! Les amis, venez! On n'a qu'à utiliser nos véhicules pour détruire sa citadelle! On pourrait! Ou alors, on utilise un nouveau système sonore à la place! Mais Bibou, réfléchis! C'est pas parce qu'il en a un qu'il t'en faut un, à toi aussi!
Au chabolide! Alors, les pyjaminus, quand allez-vous avouer que ma citadelle est un chef-d'œuvre? Allez-y, dites-le. Jamais! On va récupérer ce que tu as volé! Yo-yo, je vais percuter la tour avec ma queue de lézard pour la faire tomber et libérer les bus. Super idée, Gluglu! Et je vais faire attention qu'il ne s'abîme pas en tombant! Oh-oh, on dirait qu'une averse d'étoiles collantes se prépare. Lancez d'étoiles collantes, feu à volonté! Tiens, écoute un peu ça, Ninjaka. Tu vas rugir de plaisir. Mode d'éjection prédateur! Wow! 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 Ah! Ah ah! Ma citadelle est ninja résistante! Il va falloir trouver mieux pour détruire ma citadelle. Désolée, Yo-Yo. Je pensais pas que le méga miaou te ferait perdre le contrôle. Ouais, ce méga miaou était surtout une méga bêtise. C'est à moi de jouer maintenant. Reptilo mobile mode camouflage. Ah, voilà les pyjamasques. Qu'est-ce que c'est? Un genre de télécommande? On peut rien te cacher, dis donc. Et fabriqué grâce aux pièces détachées que je vous ai volées par-dessus le marché. Je parie que c'est toi aussi qui as pris les pièces des autres télécommandes. Évidemment, cuisse de grenouille. Comment j'aurais fait pour créer une télécommande capable de ça, sinon? Hé, hey, qu'est-ce qui m'arrive là? Arrête! Il nous fait la danse du lézard, trop drôle. Ok, fini de rigoler. Grâce à cette télécommande surpuissante, je peux forcer n'importe qui à faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est que vous m'aidiez. T'aider? Alors ça, ça n'arrivera jamais. Il ne faut jamais dire jamais, pyjama. Oh non, il me contrôle. Allez, salut les héros, on se voit un autre jour. J'emmène Crâne de Piaf faire quelques emplettes. Non, d'un déplumé, les garçons, venez m'aider. Allons sauver Bibou. Tu es prête? Prête? Prête pour quoi? C'est pas des emplettes, ça, c'est carrément du vol. Et oui, je suis un vrai méchant. Et toi, tu vas aller me chercher d'autres télécommandes. Eh ben, tu vois quand tu veux. Regarde, ils sont là. J'ai une super idée. Si on arrive à se rapprocher du labo, avec mon reptile au camouflage, je pourrais monter à bord sans me faire voir et reprendre sa télécommande à Roméo. Génial ton plan, mais j'ai une idée encore meilleure que ça. Je vais me mettre juste en dessous de Bibou et là tu sautes pour l'attraper. Je saute? Mais je sais pas sauter comme toi, je vais pas y arriver. Rappelle-toi, Gluglu, c'est moi le chef d'équipe, donc c'est moi qui commande. Au secours! Ne t'inquiète pas, Bibou, je vais te sauver. Je ferais mieux de désactiver mes pieds collants. Je t'avais dit que j'étais pas douée pour sauter. C'est pas ta faute si t'étais pas à la hauteur de mon plan. Hein? Je vais vite trouver un autre stratagème, de toute façon. Ya, ya, ya. Oh, 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 Bibou! Très joli, Crâne de Piaf. Quel talent! Mais ce n'est pas de la peinture qui va m'arrêter. Alors c'est tes étoiles collantes qui vont le faire. Hé, hey, Bibou, un petit coup de main. Merci. Mais tu sais que t'as failli abîmer les œuvres d'art de tout le monde avec ta peinture. Tu ne veux quand même pas que les tableaux de nos amis soient abîmés comme ta sculpture? Non, mais c'était pas ça que je visais. C'est Ninjaka que je voulais couvrir de peinture. Je trouverai une autre façon de me venger. Mais pour ça, je dois découvrir où il a l'intention d'aller. Je suis sûre qu'il va essayer de voler d'autres tableaux. Donc on cherche un endroit où il y a plein d'œuvres d'art partout. Mais oui, bien sûr, c'est le musée. Vite, en route. Toi et toi, vernissez mon chef-d'œuvre et que ça saute. Quant à vous, allez cacher ces affreux tableaux dans le musée pour que personne ne les voie. Quelle merveille, quelle splendeur! Je suis un véritable génie! Quel chef-d'œuvre spectaculaire! Je suis le plus grand artiste de tous les temps! Oh, je rêve, vous voyez la même chose que moi? C'est une statue géante de Ninjaka! Je vais nous rapprocher le plus près possible! Reptilo mobile mode camouflage! Regardez, c'est vraiment incroyable! Même pas vrai! Elle est moche, sa sculpture, d'abord!
Descendez, bande de ninjas Zozo. Vous risquez de casser mon beau chef-d'œuvre sans faire exprès. Comme vous avez cassé la sculpture de Zoé Zapierre. Hein? C'était un accident. Ils n'ont pas fait exprès de casser ta sculpture. De quel droit avez-vous osé peindre une moustache sur mon magnifique chef-d'œuvre? Nettoyez-moi ça, et tout de suite. Vous avez suivi mes ordres? Est-ce que les autres tableaux sont cachés dans le musée? Bien, je m'en débarrasserai pour toujours. Et il n'en restera plus rien. Nanana! Ha! Il est temps que je leur montre comment Yo-Yo fait le boulot. Yo-Yo, rapido! Glu-glu, méga muscle! Hé, hey, ça non plus, c'est pas juste! Yo-Yo, acrobato! Et voilà le travail! Là, je crois que c'est clair. C'est moi le champion. Y a pas photo. C'est moi qui avais la technique la plus cool. J'ai gagné. Je vais vous simplifier les choses. C'était moi la meilleure, donc c'est moi qui ai gagné. Personne ne peut me battre. C'est moi, Bibou, la championne, hein? Glu-glu? Yo-yo? Yo-yo? Hein? Sorceline les a attrapés. Oh, si je n'avais pas cherché à gagner à tout prix, on n'en serait pas là. Je sais. C'est l'heure d'être un vrai héros. C'est l'équipe 1 qui a gagné. Vous voyez les pyjaminus? Mon butin s'agrandit de plus en plus grâce à mes papinuits. Hé, hey, Sorceline, tes papinuits assurent. Mais je te parie qu'ils n'arriveront pas à te rapporter le plus gros jouet du magasin, le T-Rex géant. Quoi? Fastoche! Il suffit qu'ils s'y mettent tous ensemble et ils vont y arriver. Hein? Hein? Non! Bande de papis nuls! Travaillez en équipe et rapportez-moi le T-Rex! Une seule équipe! Ah! Oh. Ah, au secours! Non, non! Merci, Bibou. De rien, les amis. Désolée, j'ai pas été très sympa. Yo-Yo, laisse-moi prendre le bulldozer sauteur et moi, je pourrai arrêter Roméo. Non, Glu-Glu, y'a que moi. Yo-Yo. Ok. Si tu veux pas que j'utilise le bulldozer sauteur, je vais prendre le propulseur à la place. Non, Glu-Glu, fais attention. Le propulseur peut vraiment être dangereux. J'aurais dû le laisser utiliser le bulldozer sauteur. Yo-Yo, au secours! Ne t'inquiète pas, Bibou, je vais te sortir de là. Enfin, Bibou, aile de la nuit. Ce propulseur était pas facile à... Enfin, j'ai mon propulseur. Maintenant, je vais aller conquérir le monde. Bon, par quoi je commence? Mon rouleau à mort, vous? Les crabouilles doigts? Oh non, comme prévu, je vais utiliser le Vapoprout. Je suis vraiment le meilleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Hé, hey, j'ai une idée. Hein? T'es sérieux, Yo-Yo? Tu veux vraiment remettre ça avec le bulldozer sauteur? Non, je sais que Glu-Glu s'en sert mieux que moi. Et comme c'est l'heure d'être un vrai héros, je lui laisse ma place. Cool, caméléon! Saute, Yo-Yo! On va y aller ensemble! C'est parti! J'ai bien peur de connaître ses voix. Vous ne savez pas encore, mais les ninjas doivent sont grands et forts. C'est Ninjaka. Et ces ninjas zouaves ont volé notre matériel de sport. Ah, bonsoir, les
pyjamasque. Rends-nous notre matériel de sport, Ninjaka. Les enfants en ont besoin au parc. J'en ai besoin, tu veux dire, pour mes super ninjazouaves. Ils sont de plus en plus forts. Bientôt, je pourrai même leur apprendre mes super techniques de ninja à moi. Ils ne seront jamais aussi forts que moi. Venez, à nous de sauver la journée du sport. Vous en faites pas, c'est moi qui vais gérer. 1000 reptiles, rends-moi ce vélo. C'est pour les autres enfants, pas pour les méchants. Wow! Wow! Ninjazouaves sont costauds maintenant. Oui, ils auront bientôt le niveau pour s'entraîner contre moi. J'ai dit bientôt. Pour le moment, direction le nouveau camp d'entraînement. Tourneur de page. Bien essayé, Glu-Glu. Mais pour y arriver, il faut qu'on s'y mette tous. Non, pas la peine. Ces ninjazouaves sont des minus. Je suis plus fort qu'eux à moi tout seul. Allez, venez. Conduire à ta place aujourd'hui. T'inquiète pas, on va t'aider à redevenir comme avant. On a juste besoin d'une idée. Moi, j'en ai une. On roule vite autour de Ninjaka et de Roméo pour leur donner le tournis. Et je saute du chat bolide pour attraper le rétrécisseur. Mais le rétrécisseur est Mouse. Et toi, t'es vraiment... petit. Tout ira bien. C'est pas parce que je suis un petit peu moins grand qu'on doit changer nos habitudes. Allons-y. Échapper. Et où sont les pyjamas que maintenant? On va leur donner le tournis à ces méchants. Quoi? Pose-toi de là, espèce de ninja ahuri. C'est moi la ahuri? Tu plaisantes? Tu ne tiens même pas debout. Moi, vas-y.
qu'à détruire ce ballon lune. Comme ça, Sorceline ne volera plus les jouets de personne. Attends, d'abord je vous montre ce que je sais faire. Hé, arrête ça. Bibou, s'il te plaît, passe-moi la balle. Ok, mais admire ça. Vite, j'ai marqué. Non. Aéroline. Cette cervelle de moineau s'est fait aspirer. Au secours. Souriez, le petit oiseau ne va pas.